Là, qui termine sur la barre et Steak qui vient couper la trajectoire, qui vient passer il me semble devant Remco. Il a tout donné là, l'Espagnol, pour anticiper le dégagement du Néerlandais. Remco pas déjà commenté avec l'équipe With My Boys, avec Cartoon et Feiko Sting. Ouh, une égalisation d'Exitium. On parle, mais All The Rage là, toute leur rage il la concentre dans le jeu. Avec là, Exitium, 0 de boost, G. Et ça va être récupéré par Remco, mais il y avait Steak à la réception. Oh oui, c'est bien ça. C'est bien ça. Qu'est-ce qui se passe? Bah, je pense que. Non, je pense que. Enfin, c'est pas normal, on est d'accord. Bah... pour savoir ce qui allait se passer en fait. Ah oui, c'était chaud, mais ça défend très bien le compte favorable. Ça va au fond avec l'égalisation de Steak. Qui se positionne d'une excellente manière là pour venir battre Remco. Ouais, superbe course là. Exitium qui décide de remettre un centre, ça a été retouché par Steak. Il y avait Sting derrière. Oh, Sting, la double tap, Exitium qui s'élève et la frappe d'Exitium et ça rentre. Ouh là là, on commence à voir chaud du côté de chez Goodnight. Oh, la retouche de Sting et Exitium qui vient contre par Grizzymeister qui l'envoie. Bon, attention, il y a Steak qui essaye de mettre un setup, la double tap peut-être de Steak qui bat Remco. Et derrière, il y a Sting bien présent. Superbe action, Steak notamment qui a. Ah non, c'est Sting, pardon. Oui, c'est Sting qui a mis la superbe passe, la double tap. C'est Steak, c'est Steak. Ah, ça kick Zitcher n'avait pas réussi à mettre un centre. Oh, Sting, et voilà, c'est le premier but là pour The Raid. On l'a vu sur. Ouais, là Exitium il était tout seul et je regrette un petit peu, voilà, Remco qui était en position d'urgence, c'était compliqué. Mais voilà, Easy, on est parti d'un BO3, donc tout est possible. Et si c'était All The Rage, qui blessait le spectacle en laissant Northern Gaming prendre deux manches pour en finir avec cet envolé de Sting pour mettre ce ballon. Qui va aller courir, j'allais dire, mais rouler après ce ballon, la frappe de Sting. Et oui, on a une nouvelle erreur, enfin, je dis une, mais il y a eu plusieurs erreurs défensives ici. Effectivement, qui court après son ballon, bonne anticipation de la part de Steve. Et effectivement, cette équipe de Goodnight, pas dans son assiette, mais les All The Rage, absolument impériaux. Ils ont fait le nécessaire pour remporter ce BO. Copenhagen Flames de reprendre possession du ballon, pas pour longtemps avec Sting qui essaie d'accompagner. Il touche ce ballon qui est devant le but avec Exitium qui vient conclure. Superbe travail de la part de Sting. On va aller le voir là dans les airs. Cette touche au dernier moment qui en élimine deux. Et ensuite, c'est Exitium qui est la tour de Becke. Ça va être pour Exitium. Il n'a pas de boost, Exitium. Oh, il y avait Steak dans les airs, je ne l'avais pas vu. Le voilà, Steak qui remet en deux temps l'Espagnol. Si je ne m'abuse, peut-être que je me trompe. I guess if you know from which country are those three players, please tell me. I think Steak is Spanish. Proposé, ça c'est un move d'école, on vous le conseille si vous êtes derrière le ballon plutôt que de faire n'importe quoi. Ouh, la frappe d'Exitium, il ne pourra rien faire, le défenseur de Copenhagen Flames. Désolé, j'étais parti dans des explications et tout ça s'est passé très très vite. Frappe qui est puissante, Abeo Gant qui... Gant encore une fois, bon dégagement d'Exitium. Il va essayer de prolonger Exitium peut-être. Oui, la frappe directe d'Exitium et ça va rentrer. Et voilà, All The Rage qui reprend le dessus dans ce match à une minute. Enfin, dans ce match, dans cette manche plutôt. À 1 minute 16 de la fin. De commenter ce match. Attention, Sting qui n'aura pas le boost. Mais Steak qui, après 4 minutes 40 de prolongation, qui va nous offrir la game 7. Fouh, ça a duré longtemps. On a eu du mal à voir, c'était très serré, c'était compliqué. Un deuxième joueur, mais Exitium, l'assurance tout risque de cette équipe d'All The Rage, la passe de Steak et Sting qui a prolongé.
tout doucement mais sûrement au fond du but. Voilà l'ouverture du score en faveur d'Older Age. Alors contre Northern Gaming, ils avaient mis 3 buts très rapidement dans la game décisive. Oh, ah, Exitia, mais il y a le contre d'Aibéouga, oh, pousse devant. Et là, il n'y a plus personne derrière, c'est le deuxième but. À 40 secondes de la fin, ils vont la remporter, Older Age. Ils vont faire tomber les deux équipes. Et oui, un contre, ça peut mener à un autre contre. Ça fait deux fois qu'on voit ça ce soir. Effectivement, Stick. Pas du côté de la défense et ça repart même dans l'autre sens. C'est fini, ils vont la remporter, Older Age, après, ah oui, bravo, bravo. On dirait qu'on est 15, it is. Exitium, Sting, Stake, bravo à Older Age qui est votre vainqueur ce soir du Gfinity 3v3.